ravie de vous retrouver dans votre émission 100% mode africaine. Et bien cette semaine, on parlera de basan, ce tissu prisé par les dames sur le continent africain. Dans la première partie donc de votre émission, vous aurez droit au reportage. Ensuite, l'entretien avec notre invité. J'ai le plaisir de recevoir pour ce numéro Lamphal Création qui va nous parler de sa passion, de ses créations. C'est à suivre maintenant. Madjene Fitini est l'égérie de la marque Ben Bazan, une boutique de vente en gros de Bazan. Ce matin, tout comme Madjene, tout le personnel de la boutique s'affaire. Objectif, ne laisser passer aucun client. Aujourd'hui, tout le monde veut du Ben Bazan. Tout le monde veut du Bazan Ben Bazan. Ben Bazan, c'est un Bazan vraiment super. Très beau tissu africain. Même si la Côte d'Ivoire n'est pas le pays du basan à l'instar du Mali, ce tissu séduit de plus en plus d'Ivoiriens. J'adore, c'est vrai que c'est coûteux, mais c'est un truc que tu as pour des années sur des années, tes enfants peuvent porter. Le basan pour une femme musulmane, surtout nous on sait entretenir le basan. Le basan ne se lave pas comme ça. Un basan riche, quand tu achètes, ça peut te faire 20 ans, c'est selon l'entretien. Le basan, généralement importé d'Allemagne ou d'Italie avant d'être coloré, coupé puis cousu pour confectionner des bobos traditionnels. En décembre dernier, la capitale ivoirienne a accueilli la nuit du basan consacrée à ce tissu. Merci, on est ensemble. I'm
Cette nuit-là, c'était la saga des couturiers sénégalais d'Abidjan. Au kana bara sidi hima da kan tigi ala le no e u ya be for sidi hima da kan tigi ala le no e u ya be da sidi kina da kan tigi ala le no e o shima fen ke sidi hila da kan tigi ala le no e jana fatu jugu yala na fatu koni yala jana fatu jugu yala na fatu koni yala jana fatu jugu yala na fatu koni yala jana fatu jugu yala Okay.
Des boubous brodés, des ensembles en basan style grande dame ont scintillé sur le podium. En tout cas, la mode sénégalaise avec ses beaux motifs de basan ne laisse pas indifférents les Abidjanais. Je dis toujours que la femme africaine doit porter le basan et le pagne. C'est important. J'ai constaté que le pagne, vraiment, c'est un truc qui est vraiment béni parce que c'est quelque chose qui ne peut pas tomber. Durant toute la soirée, nous en avons pris plein les yeux en découvrant que le basan peut se porter à toutes les occasions, mais aussi que l'émergence d'un prêt-à-porter africain à destination des classes moyennes et aisées est en bonne marche, car la mode africaine ne se résume pas au pagne et au basan. Soyez les bienvenus dans la deuxième partie de cette émission. Eh bien, l'art de s'habiller a toujours été omniprésent dans le quotidien des Sénégalais. Et notre invité de ce jour a su déplacer cet art, cette culture sénégalaise ici en terre ivoirienne. Il s'appelle Lamphal. Lamphal, merci de nous recevoir. Merci, bonjour. Mm-hmm. Comment va ? Très bien. Et je vous. Ça va très bien. Dieu merci. Okay. Alors, vous allez nous parler de votre marque, de vos collaborations, de votre activité en tant que styliste, créateur de Grand Dakar, des boubous dont raffolent les dames, bien sûr. Hein. Mais bien avant, je le disais, que vous êtes l'un des maîtres de ce Grand Dakar. Dites-nous comment vous avez commencé la couture quand vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, comment s'est fait votre intégration. Ok, merci d'abord d'avoir m'appelé Lamphal. Lamphal, c'est le nom de l'entreprise. Ah, autant pour moi. Effectivement. Donc, présentez-vous à nos téléspectateurs. Bon, moi, je m'appelle Top Bassirou. Lamphal, c'est le nom de l'entreprise. Top Bassirou, je suis né à Kaolack, au Sénégal. Kaolack, mon papa était couturier. Son papa était couturier. Donc, je suis né dans une famille couturier. Mon grand-père du papa, toute notre famille, on fait que la couture. Bon, je suis, depuis qu'on est né, le vieux ne voulait pas qu'on va aller dans d'autres domaines, il veut que nous tous, on va s'intégrer dans le domaine qu'il était. Donc ça veut dire que c'est un domaine qui a beaucoup rapporté. Donc vraiment, je suis la fierté pour que je suis aujourd'hui une styliste ici en Côte d'Ivoire. Alors, à quelle année vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire et quand est-ce que vous avez installé votre atelier de couture dans cette commune de Trècheville dans laquelle nous nous trouvons? Je suis arrivé en Côte d'Ivoire ici, il y avait beaucoup de difficultés en Côte d'Ivoire, en 97. Quand j'étais là, vraiment, c'était difficile. Mais avec le temps, on ne s'est plus battu pour, tu sais, un pays aussi en Côte d'Ivoire, quand tu arrives, où tu vas résider d'abord, c'est ça qui est le premier problème. Oui, on est résidé dans une mosquée ici, Avenue 15, avec notre parent. Souvent, on nous a demandé d'être une semaine d'abord, de rencontrer les gens avant de chercher travail. Bon, un bon moment, j'ai eu un contrat à Djamé. On m'a payé 1000 francs par jour. C'est 1000 francs là. Le matin, je prends un bus pour aller à Djamé. Pour revenir le soir. Maintenant, le soir, pour revenir, c'est difficile. Maintenant, je vois que c'est compliqué. Le matin, je marche pour aller à Djamé. C'est dans ça que je mange. Ce soir, je prends un bus. Ici, 13 villes à Djamé, j'ai beaucoup marché. Mais je me suis dit qu'un jour, ça ira. Ce beau pays qui nous a accueilli beaucoup de sagesse avec les populations des Ivoiriens qui sont tellement aimés, nous a beaucoup accueillis aujourd'hui. Vraiment, couture nous a apporté beaucoup de choses. C'est quelque chose aussi qui nous a donné. On a aimé ce métier. Quand tu aimes ce métier d'abord, ça peut t'apporter beaucoup de choses. Oui. Alors, on voit que vous aimez bien ce métier parce que là, nous avons l'honneur d'apprécier toute votre création et ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, vous êtes Lamphal dont tout le monde parle aujourd'hui. On parle des boubous, des créations Lamphal. Mais dites-nous, à part ces boubous-là, quelle est votre spécialité? Bon, ce boubou-là, c'est très beau. Mais la coupe d'abord. Les broderies, c'est des décors. Ça accompagne le décor de l'habit. Mais couture, c'est la coupe d'abord. Ce coupe-là, c'est très important. Vraiment. Aussi, il y a des certains trucs que mon papa nous disait. Il me disait que couture, l'aiguille de machine est trop mince, mais ça nourrit une famille.
Bel adage, hein? Oui, ce langage-là, ça m'a fait beaucoup de trucs. Le GMS, mais ça implique une famille. Famille que ça implique, jusqu'à aujourd'hui, je suis né dedans. Vraiment, mes frères, j'ai eu une autre famille dedans. Je vois que vraiment, ça apporte beaucoup. L'Enfal Création, je demandais, quand on vient dans vos ateliers, qu'est-ce qu'on peut, on retrouve? Bon, actuellement, quand vous venez ici, on fait des boubous, hommes et dames, comme ce que je vous dis, avec des marques, broderies, tout cela, on passe avec... Et généralement, quel genre de tissu utilisez-vous pour faire vos créations? Bon, on fait aussi avec les wax, les inwax, avec beaucoup de basins. On travaille beaucoup sur basins, avec des tissus, comme on fait les costumes africains, des super-sangs, tout ça là, on travaille avec. Mais beaucoup de notre travail, ça base sur des basins, avec des tissus de cérémonie. Alors, vous qui avez l'habitude de travailler sur les basins, comment on fait pour connaître le bon ou le mauvais basin? Ok, souvent de bons basins aussi, c'est très compliqué. Mais comme il y a des marques de basins que les gens font beaucoup actuellement, on travaille dessus, qui passent de l'ordinaire. Parce que des marques de basins qu'on amène souvent, des basins là, quand ils toussent même, sont plus raffinés et puis plus cotonnés. Oui, vraiment, c'est industriel. Souvent, il n'y a pas de produits chimiques dedans. Quand tu portes, même tu te sens à l'aise, comme ce que tu as porté. Merci bien. J'allais en venir. Hein. On sait que la mode, elle évolue. La création des basins également, et des grands Dakar, du Sénégal à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a forcément différents modèles de grands Dakar. Mais comment vous faites pour rester dans la tendance? Je me suis dit que peut-être c'est dans le domaine. Ce que nos patrons nous ont déjà appris depuis longtemps. Si c'est ça qu'on faisait aujourd'hui, on ne serait plus dans la tendance. Actuellement, tu sais, tout le temps, ça va, ça évolue, et puis l'expérience, Dieu, et puis avoir l'envie de le faire. Quand tu as l'envie de le faire, Dieu te donne beaucoup de facilité d'avoir le temps de créativité des modèles d'art. C'est ça qui est là. Est-ce qu'il vous arrive de collaborer avec d'autres créateurs ou bien des marques de tissus et autres? Oui, c'était pas facile, mais actuellement, on sait que vraiment, actuellement, tout le monde s'habille. Et puis chaque jour, tu fais les habits, quand tu sors les habits que tu vois au dos, ce n'est pas toi-même qui le fasses. Donc ça veut que je peux dire que ce n'est pas pourquoi on ne collabore pas avec d'autres personnes qui sont là. Mais vraiment, depuis qu'on est là, avec ces situations qu'on vit à Côte d'Ivoire, tous les couturiers qui sont là, je vois qu'il y a beaucoup d'évolution dans ce domaine. Et ces basins-là, comment vous arrivez à vous procurer ces basins? Où est-ce que vous trouvez ces basins? Ces basins, différents coins, tu vois. Il y a des fournisseurs qui sont là, qui prennent partout dans le monde, qui viennent de fournir les basins, on paye avec eux, et puis on le met dans le marché, et puis on travaille avec. Est-ce que les créations que vous faites ici, on peut les porter à toutes les occasions? On peut porter pour aller à un dîner de gala, on peut porter pour aller au marché, à un mariage, ça se porte à quelle occasion? Oui, on le fait de différentes créations. Il y a d'autres qu'on le fasse, on le fasse uniquement pour les mariages. Mais il y a des créations aussi qu'on fait pour des dîners de gala, comme ce que tu as dit. Mais il y a des même sorte que cérémonie, les gens portent des boubous et des certaines situations. Chaque boubou aussi, ça dépend du milieu que ça présente. Ça, c'est plus important. Est-ce que quelqu'un qui vient, je dirais, n'importe quoi, hein, qui vient d'Abobo, à Djamé, peut se procurer un boubou à l'Enfal Création? Oui. Est-ce que c'est accessible à tous? Si, si. Surtout, chaque personne, les moyens ne sont pas pareils, mais chaque personne peut porter un boubou. Un boubou de l'Enfal Création. De l'Enfal Création, ne t'en faites pas, sans problème. Ok. Alors, l'Enfal, vous êtes également le président des créateurs sénégalais en Côte d'Ivoire. Cette année 2020 a été marquée par la crise du coronavirus. Comment vous avez fait pour pouvoir vous en sortir? Bon, on a beaucoup d'aide à nos autorités avec cette population ivoirienne. Ça nous a beaucoup tenu, aidé à sortir de cette situation. Mais on a eu des coups battus de début du corona parce que le 4 avril, on avait un grand événement qu'on devait créer ici en Côte d'Ivoire selon ces fêtes d'indépendance du Sénégal. On avait vraiment toutes les associations, toutes les fédérations couturiers et stylistes sénégalais qui étaient là, qui étaient préparés pour cet événement. Mais quand le corona est là, ça nous fait qu'on avait déjà fait les flyers, on a pris salle, on avait pris tout programmé et puis en même temps on est rentré dans le confinement. Bon, tout est à mettre en place, on n'est pas encore surélevé pour ça. Oui. Est-ce que vous, en tant que créateur qui travaillez très souvent avec le basin, vous vous êtes mis aussi à faire des cache-nez, des bavettes en basin, comme on a vu beaucoup de stylistes le faire avec cette crise-là? Oui, oui. On avait pu avoir notre propre don qu'on a fait,
ici au niveau de Trècheville, les différents hôpitaux avec ces fédérations-là. On est parti faire des dons avec l'adjoint du maire qu'on nous a accompagnés ce jour-là pour aller faire des dons. Avant ça aussi, après ça, les gens de la BAD, Banque Ouest Africaine, ils ont demandé des casse-nez pour que les gens le produisent ça. Fédération là, ils ont face à ça. Et puis, on a pu diviser ça partout. Et ça a été fait avec du basin ou de la dentelle? Avec des tissus. Des tissus. Des tissus. Mm-hmm. Des tissus même bien faits. Mm-hmm. Et puis, on les a livrés. Mm-hmm. Alors, vous étiez également à la nuit du basin lors de Urban Fashion 7. Quelle collection vous avez présentée cette nuit-là? Parce que on était vraiment fait des trucs de fin d'année 2020. On était vraiment, ces collections-là, on l'a fait sur base de, comme ce que je t'ai dit tout de suite, des super avec des inuwax qu'on a fait, avec quelques basins qu'on a présentés. Ce jour-là même, vraiment, c'était vraiment beau. C'est cette collection qu'on a vue ou bien Lampe Fallait sur un projet qui va bientôt naître? Oui, actuellement, bientôt, peut-être on va vous solliciter pour venir, oui, pour venir ces collections qu'on va venir mettre en place cette année-là. Tout le monde sera vraiment... Et puis, L'Amphal donne rendez-vous à les gens pour son nouveau ouverture de nouveau magasin de L'Amphal Couture. On espère voir cela. Oui, un dernier mot, L'Amphal, avant de se quitter. Bon, ce que je vous dis, je vous remercie d'abord. Remercie cette télévision qui vous a déplacé, venez envers nous, avec l'équipe de L'Amphal qui sont avec nous, avec la personne qui nous tenait à main depuis longtemps, qu'on l'appelle Hassan, depuis il a collaboré avec L'Amphal, toutes choses aux auditions de L'Amphal, ça met dedans. Vraiment, chapeau à Hassan Ndiaye. Et puis, je remercie toute l'équipe de L'Amphal. Et puis aussi, je vous dis quelque chose, toutes les nouvelles générations africaines qui sont dans les stylistes, ou bien ils sont des créateurs de mode, que couture là, il y a une grande ouverture dans le monde entier. J'encourage les gens d'être intégrés et de ne pas être pressés. Tout ça vient avec le temps. Merci beaucoup, L'Amphal Création. Merci beaucoup, madame. Portez-vous voilà, bien. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, c'est donc la fin de cette émission. Hein, vous l'avez compris. Très belle suite à tous. Et on se retrouve très bientôt pour un autre numéro.